Quel est ton premier souvenir d'Examax? Alors du coup, moi, mon premier souvenir, c'était au Chanet déjà. On s'entraînait là-bas, je vais avoir, je sais pas, 10-12 ans. Et c'est vraiment le Technisup, le cahier Technisup. Alors, on avait des exercices dedans, là, il fallait faire des jongles, l'ascenseur, monter à gauche, descendre à droite. Puis il fallait voilà, mettre nos scores, des petites croix. Puis en joueur, on se disait les scores et des petits défis. Et puis, ouais, c'était vraiment beaucoup ça. Donc ça, c'est mes souvenirs étant petit. Ouais. Est-ce que tu te souviens par exemple du premier match que tu es venu voir à la Maladière? Alors, le premier match, tout premier, je me souviens pas, non, mais j'en ai vu beaucoup. En plus, après, quand il y avait mon père qui était préparateur physique, je venais souvent, donc en tête comme ça, non, je l'ai pas trop. Là. Quel est ton souvenir le plus marquant en tant que joueur au club? Alors, en tant que joueur, je pense c'est mon entrée en Super League, ma toute première apparition avec Xamax, la première équipe. C'était contre Lugano, c'était ici. Je me souviens qu'il y avait pour moi pas mal de monde. Donc, ouais, c'était assez marquant quand on était rentré 15-20 minutes. Et puis, ouais, il y avait beaucoup de monde pour moi. Et puis, ouais, voilà, j'avais cette adrénaline de la première entrée. Donc, c'est marquant. Cette saison, quel est l'adversaire qui vous a posé le plus de problèmes? Alors, c'est individuellement, hein, mais moi je pense que Schaffhouse, c'est une équipe qui nous a souvent posé problème. Ben, voilà, c'est vrai que quand on a fait les déplacements chez eux, c'était souvent compliqué. Alors ici, on avait une victoire. C'était bien, mais je trouve que dans le jeu, ouais, on a souvent eu du mal à les presser. Ouais. C'est une équipe qui se trouve bien au milieu, je trouve. Ils ont des bonnes relations, donc ouais, je dirais Schaffhouse. Quel est le coéquipier qui te pose le plus de problèmes à l'entraînement? Alors ça, je vais dire Johan Epito, parce que même s'il passe une fois, je sais pas, il te revient à fond, il y a un pied qui traîne, il va toucher de la tête, du corps, tu tires, il attire le ballon, et puis au final, il finit en touche, je sais pas. Donc, ouais, franchement, il pose des problèmes parce qu'il a jamais rien, quoi. Tu as été formé à Neuchâtel. Tu as fait toutes les étapes jusqu'à maintenant faire partie de la rotation, voire titulaire à chaque match avec l'équipe première. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui sont maintenant en formation? Alors les conseils, je donnerais, je dirais beaucoup de patience déjà, parce qu'il faut pas être pressé. Si tu travailles bien en tant que jeune, si tu travailles de ton côté individuellement, aux entraînements, ça va venir. Tu auras une occasion, mais c'est pas parce que peut-être un de tes coéquipiers monte d'abord avec la première équipe qu'il faut dire, voilà, tu as loupé ton occasion. On continue de travailler et puis l'occasion, elle va venir, il faudra la saisir. Mais voilà, de la patience et toujours rester motivé. Vendredi, match contre Arro à la Maladière. Arro est une équipe encore en course pour le titre ou les barrages. Xamax, de son côté, n'a plus vraiment grand-chose à jouer. Comment fais-tu pour quand même rester motivé et concentré? Alors, même si on n'a plus rien à jouer, entre guillemets, le but c'est quand même de finir la meilleure place au classement parce que voilà, ça permettrait quand même de récompenser tous les efforts qu'on a fait durant la saison. Donc, c'est toujours mieux de finir cinquième que huitième ou septième. Donc, voilà, il y a ça déjà qui nous motive. Et puis, il faut rester concentré parce que voilà, ça reste voilà, c'est des adversaires tout au long d'une saison, de A à Z. On fait notre travail jusqu'au bout et voilà, je pense que c'est ça aussi qui nous motive. Quel regard portes-tu sur le championnat cette saison? Alors personnellement, c'était peut-être un peu compliqué au tout début de saison, mais voilà, après au fil de la saison, il y a eu des changements et maintenant, voilà, ce deuxième tour, il se passe très bien pour moi. J'espère que ça va continuer comme ça. Et collectivement, l'équipe a fait un super début de saison. Vraiment, au début, on était très bien. Après, voilà, il y a eu aussi quelques blessés, il y a eu quelques changements et puis il y a eu un peu de moins bon. Mais ce deuxième tour, on s'est plutôt bien repris et jusqu'à la fin, il faudrait continuer sur cette lancée. Quels sont tes objectifs pour la fin de cette saison? Alors personnellement, j'espère pouvoir jouer tous les matchs qui restent déjà. Pas que je sois péjoré par une blessure ou par une suspension, parce que si je prends encore un carton jaune, je peux être suspendu. Je vais essayer à tout prix de l'éviter.
Et aussi, si j'arrivais à couronner le tout par un but ou de nouveau une passe décisive, ça serait top. T'aurais une célébration? Ouais, je pense que j'aurais une célébration, une pour ma copine, je lui ferai un petit cœur, et puis une pour ma famille, où je les montre du doigt, on a quelque chose en commun.